ranch was located several miles north of Dubai. My father had the soul and mindset of a cowboy. Every night he raised a glass of whiskey up to his lips, precisely every 45 seconds. How could my parents have fallen for each other? They were like day and night. Moi, j'ai fait le bac, j'ai à Zurich, et après, j'ai commencé à travailler comme assistant pour un photographe de mode. Et j'ai fait ça pendant un an, et après, j'étais assistant opérateur dans une boîte de production près de Zurich qui faisait de la publicité, des films publicitaires. Et après, j'ai travaillé comme freelance pendant à peu près 7 ans. À Zurich et à Genève sur des téléfilms, des pubs, des choses comme ça. Et pendant ce temps-là, je faisais pas mal de courts-métrages. Et en 94, je suis devenu chef opérateur, comme on dit. Et depuis, j'ai fait ça. J'ai pas fait d'école de cinéma. J'ai pas fait d'école parce qu'en Suisse, comme technicien, en tout cas à l'époque, je sais pas si c'est maintenant possible, mais tu pouvais pas étudier le directeur de la photo ou la lumière ou des choses comme ça. C'est-à-dire, c'est Richard qui m'a fait en premier travail en France. C'était toujours un peu c'est toujours un peu compliqué. Moi, j'ai bien travaillé en Suisse. J'avais des propositions suisse-alémaniques et en Suisse romande. Donc, je connaissais plein de monde comme j'étais assistant là-bas. Mais après, sortir de la Suisse, aller ailleurs, c'est toujours un pas un peu compliqué parce qu'on n'a pas des films à montrer que quelqu'un aurait pu voir. Ou rarement des films suisses en France, on voit pas tellement. Donc Richard, c'est le premier qui m'a proposé un film parce qu'il avait vu un film que j'avais fait avec Nicolas Vadimov qui s'appelait Mondialito, qui lui a beaucoup plu. Et il m'avait proposé ça. Et je pense aussi à l'époque, il cherchait aussi quelqu'un qui n'était pas dans le circuit Paris-France, qui voulait quelqu'un qui venait de l'extérieur et qui n'avait pas d'a priori par rapport à lui. Et ça a commencé en 2003, je crois. Et depuis, oui, depuis, c'est quelqu'un de très fidèle. Il rappelle toujours un peu quand il y a des projets, aussi des projets de théâtre ou des projets de cinéma. Et des fois, je n'ai pas le temps, et des fois, j'ai le temps, ça dépend un peu. Là, j'ai fait un autre l'été dernier. Il m'avait proposé celui qui l'a tourné sur Les Gangs des Barbares. Il a fait un film qui s'appelle Tout, tout de suite. Que j'ai pas pu faire parce que j'étais déjà sur autre chose. Donc oui, c'est quelqu'un de très fidèle. Avec beaucoup d'assistants, avec beaucoup de spray pour enlever la poussière. Non, ça a été encore. C'est quand même assez. C'est pas le désert. Donc c'est pas non plus. Mais non, c'était une aventure formidable parce que. Déjà, tourner avec Jean-Pierre Jeunet, c'est quelque chose d'intéressant parce qu'il a un univers visuel intéressant. Et la 3D, c'était vraiment sa volonté à lui de faire ça en 3D. Parce que je ne sais pas si vous connaissez le livre, mais le livre, il y a le texte et après déjà des petits dessins du gamin qui dessinait. Donc c'était toujours en annexe, il y avait des dessins. Donc lui, il avait l'idée de les intégrer comme ça en 3D dans la narration. Et comme c'est un film plutôt intimiste, comme c'est un film intimiste, on peut dire, et pas un film d'action, je trouve le format de la 3D, c'est vraiment adapté à ce genre de film. Le film en 3D, avec beaucoup de coupes, avec des scènes d'action, tout ça, c'est pas vraiment idéal pour la 3D, parce que ça va trop vite, c'est un peu pour le cerveau un peu compliqué. Donc souvent, je trouve que la 3D est mal utilisée. Devrait plus s'utiliser pour des films intimistes que pour des gros films d'action. Alors, ça dépend complètement du metteur en scène, je dirais. Il y a des. Genre, moi, on me propose un film, je lis.
Et après, moi, j'aime bien travailler longtemps en amont, c'est-à-dire peut-être pas tout le temps, mais être impliqué dans les repérages, les choix des décors, et discuter en amont aussi, de pouvoir réfléchir un peu ensemble de ce qu'on veut et comment on veut le faire. Mais dans le cas, par exemple, de Jean-Pierre Jeunet, ça, c'est très, il prépare très bien tout seul avec son décorateur, tout est storyboardé. Donc là, il n'y a pas besoin de venir très en amont. Moi, je suis venu pour les 15 semaines, je suis venu 8 semaines avant. Et les choix de décor étaient pratiquement déjà tous faits. Donc on fait le tour et après, on parle plutôt comment tourner, comment éclairer, quelle ambiance. Le choix des décors, c'est primordial. Surtout, bon, après, si on a beaucoup d'argent, si on peut dire, on prend un décor et on change tout, là, c'est un peu moins important. Mais normalement, ce n'est pas le cas. Donc, on n'a pas le moyen pour tout remodifier dans un décor. Donc, non, non, c'est primordial de trouver les bons décors pour le style visuel qu'on a décidé et pour tourner ce qu'on veut tourner. Donc, c'est pour ça, moi, je suis bien en amont à surveiller, pas à surveiller, mais à m'impliquer dans le choix des décors. C'est vraiment. Et aussi, est-ce qu'ils sont éclairables? Est-ce que c'est très compliqué, très cher ou pas? Donc, là, par exemple, je suis sur une préparation d'un film où il y a un décor qui me semble, qui est en Israël, qui me semble très compliqué à éclairer. Mais comme ils ont que ces décors-là, ils trouvaient que ça suffit. Et j'ai dit, moi, si je serais vous, je chercherais un autre décor. Comme ça, c'est une autre option, parce que quand j'arriverai, moi, en repérage technique, là, pour le coup, je ne suis pas en repérage en amont, je vais être que pour le repérage technique. Si on n'a que ce décor en choix et je vais leur annoncer ce qu'il faut comme matériel technique et c'est trop cher, ben, si on n'a pas d'autre choix, on est peut-être un peu mal barré, quoi. Oh, moi, je dirais que maintenant, c'est presque un goût, genre le goût de l'opérateur qui décide ça. Après, bon, le réalisateur, des fois, ils ont un avis sur le choix de la caméra, mais normalement, c'est l'opérateur qui, encore maintenant, qui décide. Ça va peut-être encore changer, ça aussi. Mais donc, moi, l'Alexa me convient bien parce que j'aime bien le rendu des couleurs, le rendu des peaux. Donc, moi, je tourne en Alexa, moi, normalement. Donc, j'ai pas de. Après, le choix, mais plus important pour les objectifs. Quelle série, quel genre d'objectif, ça m'importe plus que le support de la caméra. Il y a d'abord le budget du film, déjà, pour savoir un peu où est-ce qu'on va. Aussi par rapport à l'éclairage. Donc, j'ai fait un film l'année dernière qui s'appelait La prochaine fois, je viserai le cœur, qu'on a tourné en sphérique. Ça veut dire pas en. Genre, on a tourné en 2,35, mais avec des objectifs sphériques. Ça, c'était le choix évident parce qu'il y avait beaucoup de nuit, on n'avait pas les moyens d'éclairer les rues, on n'avait pas les moyens d'éclairer trop. Donc, on a tourné en sphérique parce qu'il y a des objectifs très lumineux. Donc, on peut tourner avec très peu de lumière de nuit. Donc c'est un peu un choix économique et moins esthétique ou artistique. Après, s'il y a un peu plus de moyens, moi maintenant j'aime beaucoup l'anamorphique parce que c'est un rendu un peu plus sensuel, je trouve, pour les caméras numériques qui sont très très, très sharp et très dures. Donc moi maintenant, en principe, je tourne en anamorphique dès que je peux économiquement. Mais qui sont un peu plus chers parce qu'ils sont plus rares, donc les loueurs demandent plus d'argent pour ça. C'est une optique sphérique, il y a un anamorphote, c'est comme un cylindre en verre, souvent d'ailleurs fabriqué en Suisse, qui sont devant ou derrière, donc qui squeeze l'image comme ça, et après en projection ou en post-production, on le désquise. Mais ça fait qu'il y a moins de profondeur de champ, parce qu'on utilise un format plus grand, et les flous deviennent un peu, parce qu'on le désquise, on devient un peu ovale. Et moi, je trouve que c'est le rendu que j'aime le mieux. Après, c'est une histoire de goût, hein. Il y a des gens qui n'aiment pas du tout, il y a des gens qui trouvent ça déforme, ça, c'est pas assez net et tout ça, mais moi, j'aime bien.
Et pour moi, rien n'a changé, moi. Moi, j'ai travaillé exactement pareil, avec ma cellule, j'écris comme avant. Ce qui a changé, c'est un peu le rapport du... Le réalisateur va une très bonne image déjà sur le plateau. Donc, on défait les discussions un petit peu sur l'image, sur les choix des couleurs. Mais en principe, ça n'a pas vraiment beaucoup changé. C'est devenu plus confortable, je dirais, pour tout le monde. Pour moi aussi, parce que je vois l'image en direct où je peux le revoir et être sûr que tout va bien, les points, les positions. Et le réalisateur a une meilleure vision de meilleure qualité de l'image. Donc, il peut mieux juger le jeu, il peut mieux voir les plans. Franchement, moi, je trouve que c'est une avancée avec une petite. On a perdu quelque chose, c'est sûr, mais on a aussi beaucoup gagné, je dirais. Moi, je suis un adepte de d'avoir très peu de profondeur de champ, parce que je trouve que, comme je disais avant, c'est plus sensuel. Moi, je cherche quelque chose de sensuel dans l'image, toujours. Quelque chose de bon, une certaine beauté, on peut dire. Et je trouve le flou aide à diriger le regard sur ce qu'on veut montrer au spectateur, soit un visage, un gros plan. Si tout est flou derrière, on est plus concentré sur le visage. Et moi, je préfère ça. Mais par exemple, sur le film de Jean-Pierre Jeunet, lui, il adore la profondeur de champ. Il veut que tout soit net, qui est aussi plus compliqué à gérer parce que ça veut dire que le décor doit être parfait partout. Il doit avoir quelque chose au fond, ce qui se passe. Donc, c'est plus compliqué à gérer. Donc, le flou peut aussi aider pour des films qui n'ont pas trop d'argent pour rester assez beaux sans gérer tous les arrière-plans. Ah, oulala. Quelles sont les aptitudes? Je pense que chez FOP, il faut avoir du goût, ou un certain goût en tout cas. Donc ça se développe en courant toute une vie, hein, je pense. Ça, c'est quand on est jeune, quand on est moins jeune, on continue à affirmer son goût, à développer son goût, à découvrir d'autres choses. Donc c'est ça qui fait finalement qu'on éclaire d'une telle manière ou quand on éclaire, on se dit, OK, là, ça me plaît. Il faut avoir une image intérieure avant pour pouvoir dire, c'est ça que j'ai cherché. Donc oui, je pense que c'est vraiment une histoire de goût. Et après, bon, il faut des connaissances techniques un peu, mais je dirais que ce n'est pas le plus important. Ben, ça dépend un peu l'image qu'on veut donner à une scène ou à un film. C'est un peu difficile à dire comme ça. Après, moi, j'ai des préférences de ce que j'aime bien faire avec la lumière. En général, j'aime bien que les acteurs ne sont pas forcément dans la lumière, qu'ils sont un peu hors de la lumière, que la lumière est plutôt derrière, qu'eux se détachent contre la lumière. Comme ça, je peux faire en sorte que les acteurs sont plutôt dans un pénombre ou dans une lumière plus dramatique. Mais ça dépend vraiment des films. Après, il y a aussi des films où on veut que les fonds soient plutôt denses et les visages plus sortent plus. Ça dépend. Moi, je suis très très simple, dans le sens que j'utilise vraiment les sources les mêmes depuis 15 ans, je pense. Des Kinoflow, des HMI, et en revanche, et les LED maintenant un petit peu aussi, mais comme c'est encore très cher en location, souvent je n'ai pas beaucoup de LED avec moi. En revanche, après, les sources travaillent. Ça, c'est le vrai travail. Les sources, il faut les adoucir, il faut les diriger, il faut les couper, que ça touche qu'une certaine partie du décor ou de l'acteur et que ça éclaire pas d'autres. Donc, c'est plutôt les accessoires qui m'importent autant que la source. Il y en a plein, plein, plein. Mais c'est aussi une question d'époque, un peu. Je dirais, à un moment donné, c'était Vittorio Storaro. Après, c'était Christopher Doyle avec Wong Kar-wai. Après, c'était Darius Conji. Après, maintenant, c'est peut-être Lubezki.
Donc, il y a toujours des gens qui m'inspirent. Voilà, donc, mais il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. En France aussi, il y en a beaucoup de très bons que j'aime beaucoup. Après, c'est le fait de travailler avec des bons metteurs en scène qui fait qu'on devient bon chef opérateur. C'est pas que faire une belle lumière et des beaux cadrages, c'est avoir un bon metteur en scène qui raconte une histoire intéressante, émouvante, avec des bons acteurs. Alors, je n'ai pas vu grand-chose dernièrement, je dois avouer, parce que là, j'avais trop de choses à faire. Récemment, c'était déjà en novembre, j'étais à Camarimage, donc j'ai vu Birdman justement de Iñárritu et Lubezki, qui est un, je ne sais pas si vous avez déjà vu. Bon, moi, j'ai adoré parce que c'est un film tellement libre et inspiré, et drôle et dramatique. Et visuel, et je trouve qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'éléments qui j'adore. Et après, quand il devient super-héros vers la fin, ça reste toujours réaliste, on y croit, quoi. Je sais pas comment ils ont tourné tout ça, mais c'était vraiment, ils essaient de pousser les limites un peu plus loin, et on sent bien que c'est un couple metteur en scène, opérateur, qui se stimule et qui arrive à découvrir d'autres horizons, quoi. Alors là, j'ai un projet il y a un film qui est en post-production, un nouveau film de Richard Berry qui s'appelle Nos Femmes. C'est d'après une pièce de théâtre qu'ils ont jouée à Paris avec Auteuil. Je ne sais pas si vous connaissez, vous avez entendu. Et on a fait le film. C'est un film d'une pièce de théâtre. Donc c'est presque un lieu unique, un appartement avec deux bons acteurs. Très, très, très bien, mais c'est comédie. Comédie que j'ai jamais vraiment fait comme ça dans ce style. Et comme c'était avec Richard et comme c'était une comédie, ça, je trouvais ça intéressant de le faire. Merci beaucoup Thomas. Merci à C'était vous. un vrai plaisir.